Comment réussir la culture des haricots grimpants? Dans cette vidéo, nous vous présentons les étapes pour cultiver avec succès les haricots grimpants dans votre jardin. Les haricots grimpants sont des légumes nutritifs, vigoureux, faciles à faire pousser et consommer de tous. Nous vous donnons dans cette vidéo les conseils pour préparer votre sol et choisir un bon site pour votre culture. Nous expliquons également les astuces pour le semis, la croissance et la récolte de ces haricots grimpants. Nous partageons également les astuces pour le butage, le contrôle du développement des plantes et l'entretien de ces haricots pour une récolte abondante. Avant de commencer, il faut savoir que le haricot appartient à la famille des fabacées, c'est-à-dire la famille des légumineuses. Le haricot grimpant se développe bien sur des sols suffisamment réchauffés, riches et bien drainés. Le sol doit donc être léger, meuble et bien exposé au soleil. Les haricots secs comme haricots verts peuvent être soit nains, soit à rames, donc grimpants. Le haricot grimpant occupe peu d'espace au sol et se développe suivant la verticale. C'est une culture ornementale. Le haricot grimpant est très savoureux et très décoratif. Il existe d'ailleurs plusieurs variétés de haricots grimpants, parmi lesquelles la variété Cobra, très productif, avec des gousses vertes, longues et fines. La variété Fortex, avec les gousses vertes, longues et très tendres. La variété Phénomène, avec des gousses très longue d'environ 25 cm. La variété Beurre Cascade, caractérisée par ses longues gousses jaunes. La variété Beurre Ourine, ayant des gousses jaunes plates et charnues. Et enfin, la variété Mange Tout, à gousses violettes. Le choix de la variété dépend du type de sol et des conditions climatiques. La meilleure période pour la culture des haricots grimpants est fonction de votre climat local. En général, sur un sol réchauffé, le semis des haricots grimpants peut se faire à partir de fin mars, début avril. La seconde campagne culturale se réalise en début septembre. Le cycle semi-récolte des haricots grimpants est en moyenne de 80 à 120 jours, selon le type de haricot choisi, la variété et bien les conditions climatiques et la conduite culturale. La première étape pour mieux réussir votre culture de haricots grimpants est le semis. Les haricots grimpants peuvent être semés en ligne tous les 4 ou bien 5 cm ou en poquet de 6 à 8 graines tous les 35 cm. Les rangs doivent être espacés de 70 cm. Les graines doivent être recouvertes de terre pour accélérer la germination. Il est donc possible de tremper les graines dans l'eau 24 heures avant le semis. Mais le haricot grimpant se développe assez rapidement. La levée des jeunes plantes prend environ une semaine sous une température comprise entre 20 et 25 degrés Celsius. Pour mieux germer, les graines ont besoin d'une terre réchauffée. La prochaine étape consiste à planter les solides piquets d'environ 2 mètres de haut et espacés d'au moins 25 cm entre les lignes. Il est aussi possible de tendre au-dessus des piquets un filet à ramer pour permettre une meilleure croissance des plantes. La troisième étape consiste à buter les jeunes plants lorsqu'ils font 15 cm de haut. Ceci va permettre d'assurer un bon ancrage des plants
dans le sol. Le butage permet aussi de renforcer la stabilité des plants et de protéger les racines en cas de forte pluie ou encore de fort vent. Il permet également d'aider les plants à mieux absorber les nutriments et à pousser très rapidement. Il est important de maintenir le sol propre pour permettre une bonne croissance des haricots grimpants et favoriser une récolte facile et abondante. Il est important d'arroser les plants tous les 3 jours sur un sol sec et une fois par semaine en sol consistant. Toutefois, il faut éviter les excès d'eau qui pourraient donc provoquer la pourriture des racines. L'étape 4 concerne la récolte des haricots grimpants. Les haricots grimpants sont prêts à être récoltés 80 à 120 jours après le semis et le rendement est fonction de la technique culturale et des conditions climatiques. Pour une culture optimale, il est possible d'avoir 8 à 10 tonnes de haricots grimpants à l'hectare. C'est une culture flexible puisque la récolte peut se faire de façon progressive. Les graines de haricots récoltées peuvent être conservées 2 à 3 années et il est possible de faire 2 campagnes sur l'année. Les haricots grimpants présentent de nombreux atouts. Ils sont très décoratifs, ils se récoltent sur une longue période et très facilement. Ils peuvent se développer partout et sur des espaces réduits en situation ensoleillée. Enfin, les haricots grimpants sont très savoureux, très frappants à l'œil et très décoratifs. Le haricot en général joue un rôle essentiel dans l'organisme comme source d'amidon, de protéines et intervient dans la fixation biologique de l'azote. Alors, pourquoi ne pas essayer de cultiver ce haricot dans votre propre jardin? J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Je vous dis à bientôt sur El Agro Africa.